Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du mois des fiertés avec pas mal de lectures qui représentent une partie de la communauté LGBT+. Dans cette vidéo, c'est donc avec pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, j'ai même pas réussi à compter. Avec pas moins, on va dire, d'une quinzaine de livres que je vais tenter de vous proposer des lectures un peu plus représentatives. Alors je porte mon pull Bookalore, puisque bientôt une nouvelle période de lecture commune va commencer sur notre club de lecture avec Anne Letterarum, et la lecture commune qui sera désignée, je ne sais pas encore quel livre sera choisi, et bien cette lecture aura pour but d'ouvrir les yeux sur une nouvelle représentation, donc il y a trois livres en lice. Dans l'un d'eux il y a une romance gay, l'autre lesbienne, et il me semble que le dernier c'est sur la transidentité. Bref, pas mal de représentations différentes. Du coup j'ai décidé à l'occasion du mois des fiertés, en plus de parler sur le club de lecture, d'en parler un petit peu sur ma chaîne, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. À savoir, je ne suis pas du tout une professionnelle de la communauté LGBTQ+, bien sûr je soutiens ce mouvement, mais je n'en fais pas à proprement parler partie, donc tout ce que je vais dire est à prendre aussi avec des pincettes. Je vais faire avec mon expérience, avec ce que je connais, ce que j'ai compris de mes lectures, mais sachez qu'il existe des sites comme Rainbow Tech, il me semble que c'est ce nom là. Attendez, mince, j'ai un trou de mémoire. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Il y a un site que j'ai trouvé qui est absolument génial et qui répertorie toutes les lectures dans lesquelles il y a une représentation de la diversité. Alors, j'ai oublié de préciser, le mois des fiertés a pour but de représenter énormément de communautés. Chacun peut le prendre comme il veut, on peut être fier de son corps, de sa couleur de peau, de sa communauté. Et j'ai choisi, pour ma part, de me concentrer sur la communauté LGBT. Du coup, alors, le site internet. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais j'aimerais bien quand même vous le citer, que vous ne l'oubliez pas. Donc le site en question sur lequel je me suis référée pour vérifier mes dires concernant les livres, il s'agit du site intitulé Rainbow Tech. Donc c'est un site qui est hébergé sur Tumblr, mais franchement, il est absolument génial. L'entrée du site internet s'intitule Registre des héroïnes et héros LGBT+. Donc franchement, si vous cherchez des lectures LGBT, vous pouvez faire des recherches sur ce site, c'est super bien classé et il y a énormément de billets concernant des lectures que j'ai lu, mais d'autres aussi qui me tentent, donc vraiment allez y faire un tour si vous cherchez des lectures pour le mois des fiertés. Sur ce, on va commencer avec des lectures qui représentent plutôt la communauté homosexuelle. Donc ce sont principalement, il me semble, des lectures avec des personnages gays ou alors des orientations sexuelles bisexuelles, mais ce sont pour la plupart des livres, il me semble quasiment tous, des hommes qui sont représentés. Je ne crois pas avoir lu un seul livre où il était question d'une femme lesbienne. Je verrai, je sais plus, j'ai fait un petit classement. Il doit y en avoir pour des personnages secondaires, mais il me semble pas que j'ai lu un livre avec un personnage principal. Bref, on commence avec un manga, et ce manga, il s'agit de Our Colorful Days de Gengoro Tagam, et c'est publié aux éditions Akata. Alors ce manga, je l'ai vraiment beaucoup aimé, seulement j'ai lu que le premier tome, même si la suite est déjà parue. Dans celui-ci, nous suivons un lycéen, il s'appelle Sora, et il aime secrètement un garçon de sa classe qui s'appelle Kenta. Seulement, même à son ami d'enfance, Sora n'a jamais parlé du fait qu'il était gay, et il cache cela à tout le monde. Seulement un jour, les remarques homophobes qui fusent dans sa classe lui pèsent trop, et il décide de sécher les cours. Et pendant qu'il s'endort près du rivage, eh bien un mystérieux homme va apparaître au-dessus de lui, et c'est là que commence véritablement l'histoire. Sora va apprendre à s'accepter tel qu'il est, il va surtout en discuter avec d'autres. C'est très intéressant concernant le poids du regard des autres, donc dans quasiment tous les livres je pense que ce point-ci est bien abordé, mais ici c'est particulièrement le cas, et il est aussi mis en avant le fait que discuter avec quelqu'un qui est aussi concerné par ce que l'on vit et par ce que l'on est, donc ici le fait d'être gay, eh bien cela peut beaucoup aider. Personnellement j'ai beaucoup aimé le style graphique, mais il peut paraître un petit peu simpliste, je ne sais pas trop comment dire, mais il y a de très très belles planches tout de même. Bref, une lecture dans laquelle il est assez aisé de se plonger et qui est vraiment très agréable. Je suis en train de prendre conscience que bon nombre des livres dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien je les ai lus il y a un bon bout de temps et j'ai beaucoup de mal à me remémorer les résumés. Enfin, je me souviens très bien de mon ressenti quant au livre, quant au personnage, mais les résumés, je les redécouvre en même temps que je vous en parle. Ah, le prochain livre que je vous conseille pour le mois des fiertés, il s'agit de Le Soleil est pour toi de John D. Nelson. C'est publié chez Gaimard dans leur collection Scripto. Et dans ce livre, nous allons suivre des jumeaux. Il y a Noah qui est solitaire et décide constamment et qui tombe amoureux de Brian, un garçon magnétique qui habite à côté de chez lui. Et il y a sa sœur, donc sa sœur jumelle, ils sont des jumeaux fusionnels, elle s'appelle Jude, et elle, elle est exubérante, casse-cou et passionnée par la culture. Seulement lorsque l'on entre dans ce livre, les deux jumeaux ne se parlent plus. Il s'est passé un événement dramatique qui les a séparés et anéantis, jusqu'à ce que Jude rencontre un beau garçon, ainsi que son mentor, un célèbre sculpteur. Les deux jumeaux vont réapprendre à se connaître et à chercher la vérité. Alors ce que je me souviens de ce livre, c'est que j'avais été étonnée par le résumé quant à l'histoire. Je l'avais trouvé très éloignée de ce que j'avais ressenti en lisant ce livre. J'avais beaucoup aimé notamment le rapport à l'art, et en
point que j'avais beaucoup aimé, et c'est que l'homosexualité du personnage de Noah, ce n'est pas le point central de l'histoire. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a énormément de livres qui parlent de l'homosexualité, seulement, dans la plupart, c'est le sujet principal. On suit un adolescent persécuté qui va apprendre à se connaître et qui va trouver l'amour. Là, pour le coup, ce n'est pas exactement ça, et la sexualité du personnage de Noah n'est pas le point central de l'histoire, c'est pas un élément essentiel pour le récit, mais ça reste tout de même un point fort concernant le personnage, évidemment, parce que ça fait partie de son identité, et je trouve que c'est très intéressant à découvrir lorsque c'est un point de l'histoire, mais pas le point le plus essentiel. Cela normalise le fait d'être homosexuel, et à mes yeux, c'est ce qu'il faut. Le prochain livre est un petit peu spécial, je vais rapidement vous expliquer après pourquoi. Il s'agit de Will and Will, de John Green et David Leviathan, Et de David Leviathan, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, lui aussi dans la collection Scripto. Et ce livre, il est un petit peu spécial à mes yeux puisque je l'ai lu trop tôt. En fait, j'ai dû le lire à un moment où les sujets abordés dans ce livre, donc c'est-à-dire la grossophobie, l'obésité, l'homosexualité, le regard des autres et le tout avec beaucoup d'humour, eh bien ce n'était pas encore pour moi. Lorsque je m'étais plongée dans ce livre, je ne comprenais strictement rien, j'accrochais pas du tout et je l'avais mis de côté. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de le relire et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de post-it. J'avais adoré ma lecture, je rigolais à chaque page. C'était une histoire pétillante, bien que sur le fond, il y ait des sujets très durs tels que la dépression qui y sont abordés. Dans ce livre, nous allons rencontrer Will Grayson. Et ce Will Grayson, il se méfie des sentiments. Toutes ses histoires de cœur lui portent la poisse, alors il préfère se faire discret. Seulement, malheureusement pour lui, son meilleur ami, qui s'appelle Tiny Cooper, est à la fois une bénédiction et une vraie plaie, puisque ce garçon est un ami fidèle et rayonnant, mais il est aussi ouvertement gay et corpulent, ainsi il ne passe pas inaperçu. Et pendant qu'on découvre ce Will Grayson, on va aussi découvrir un autre garçon qui lui habite à l'autre bout de la ville, et ce garçon est en pleine déprime et assume très mal sa différence. Le nom de ce garçon, vous vous en doutez au vu du titre, c'est aussi Will, mais il ne s'appelle pas seulement Will comme l'autre personnage, il s'appelle lui aussi Will Grayson, et bien évidemment les deux vont être amenés à se rencontrer, et s'en découle une très belle histoire, en tout cas j'avais beaucoup aimé. Je vous le recommande, c'est une romance gay, mais c'est une romance gay qui aborde d'autres points très importants sur la vie adolescente, c'est pas niais, c'est plein d'humour, et franchement le personnage de Tiny Cooper est absolument génial. On poursuit ces recommandations avec un livre qui a été une grosse déception pour moi, mais je sais que beaucoup d'autres l'ont aimé, donc j'ai décidé tout de même d'en parler. Ce livre, il s'agit de Appelle-moi par ton nom de Andrea Seaman, ici publié aux éditions Grasset, et vous le connaissez certainement sous le titre Call Me By Your Name, c'est exactement la même chose, simplement le titre de mon édition est en français, et dans ce livre il est aussi question d'une romance gay. À mes yeux c'est par moments absolument magnifique, et par d'autres moments c'est absolument inutile, enfin bref, si vous l'avez lu je pense que vous comprendrez pourquoi, c'est très contemplatif, c'est plutôt lent, mais l'histoire en elle-même est très belle parce qu'elle parle vraiment du ressenti et de la difficulté d'aller vers l'autre. Un autre point qui m'a beaucoup dérangé, c'est la différence d'âge entre les deux personnages. Un des personnages a 17 ans et il va filtrer avec un homme beaucoup plus âgé que lui. Il n'empêche que d'après ce que j'ai compris, c'est un classique de la littérature LGBT, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler. On poursuit avec les romances gays, avec les histoires abordant l'homosexualité, et cette fois-ci, il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. C'est publié dans la collection R. Je pense que vous entendez le vent derrière, il y a énormément de vent chez moi. Bon, tant pis. Dans ce livre, nous allons suivre deux personnages, l'un est gay et l'autre est bisexuel, enfin, il me semble que c'est le cas. Et en fait, comme l'indique le titre, les deux personnages vont mourir à la fin. Je vous spoil pas, c'est dit, tout simplement. Vous pouvez avoir espoir tout au long du livre comme moi, mais voilà. Voilà. Ce livre, c'est une dystopie qui mêle de la romance et qui mêle de très belles moralités. En fait, on va faire la rencontre de Matteo et Rufus qui, tous deux, vont recevoir un funeste appel un petit peu après minuit, le 5 septembre. Dans ce futur, on reçoit un appel avant de mourir. Lorsque l'on a reçu cet appel, eh bien, on ne peut pas échapper à la mort. Et les deux personnages, pour leur dernière journée, vont chercher un ami et ils vont la passer ensemble. En fait, c'est grâce à une application, le dernier ami, qu'ils vont pouvoir se rencontrer, et s'en découle une journée d'aventure, mais aussi une journée de frayeur, parce que tous deux ont très peur de mourir. Chaque mouvement qu'ils font pourrait être la cause de leur mort, donc ils font tout pour repousser cela, mais bien évidemment, le destin les fauchera au bout d'un moment. Et ensemble, Rufus et Matteo vont vivre toute une vie en une journée, c'est très beau, c'est très touchant, et j'avais beaucoup aimé la façon dont était abordée la romance gay dans ce livre. Elle, c'est pas trop lourd, c'est vraiment bien abordé, et bien évidemment, les deux personnages sont très différents, ce qui fait tout l'intérêt de l'histoire. Le prochain livre que je vous recommande est encore une fois une romance gay, il me semble que c'est la dernière, enfin il y en a d'autres mais ce ne seront pas les seuls sujets donc je vais me concentrer sur celui-ci pour finir ce point. Il s'agit de Romance de Arnaud Catherine qui est aussi publié chez la collection R. Alors ce livre m'a beaucoup marqué pour son écriture mais je ne me souviens plus très bien de l'histoire, j'en suis désolée, donc le résumé que je vais vous en faire sera un petit peu flou. Dans ce livre on va suivre deux meilleurs amis qui vont partir en vacances avec leur maman respective, mais seulement tout ne va pas se passer comme prévu et je vais vous lire le résumé, c'est le mojito. C'est un léger accident. C'est parce qu'il n'a pas rencontré de fille. C'est parce que je n'ai pas rencontré de garçon. C'était juste pour essayer. C'est pour avoir tout fait ensemble. C'est pour tous les amis pareils.
C'est entre lui et moi, c'est la première et la dernière fois, c'est rien, ça va passer. Bref, une romance qui semble un petit peu impromptue, inattendue, et j'avais beaucoup aimé, même si le style cinglant de Arnaud Catherine m'avait déstabilisé au début. D'ailleurs, en parlant de ce livre, j'ai la suite, mais qui est pas totalement une suite, dans ma palle, il s'agit de... Les Nouvelles Vagues. Désolé, il est un petit peu loin et j'ai un peu la flemme de bouger. Voilà, il faudra que je lise Les Nouvelles Vagues pour retrouver la plume d'Arnaud Catherine. Le prochain livre aborde aussi l'homosexualité, mais au second plan, puisque le personnage qui permet d'aborder ce thème n'est pas l'un des personnages principaux, même s'il a une place cruciale dans l'histoire. Ce livre, il s'agit de L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Saenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, c'est le père du personnage principal qui est homosexuel, enfin, il vit une vie de père célibataire, mais au courant de l'histoire, il va rencontrer quelqu'un et c'est un autre homme. Je trouve cela très intéressant et très intelligent de la part de l'auteur d'aborder ce sujet de cette façon, parce que c'est toujours des adolescents, la nouvelle génération qui accepte son homosexualité. Enfin, c'est l'image que j'en ai, en tout cas dans les romans que j'ai découverts. Et ici, c'est déjà un adulte, c'est quelqu'un qui est père, qui a donné la vie, qui est homosexuel et qui ne s'en cache pas et qui en parle. C'est intéressant, c'est bien abordé. Et puis, l'histoire, elle est absolument magnifique. Si vous avez lu Aristote et Dante, qui lui aussi aborde des sujets liés à la communauté LGBT, je pense que celui-ci pourrait vous plaire aussi. Enfin, c'est un autre de l'auteur. J'ai lu Aristote et Dante, je l'avais adoré, ça avait été un coup de cœur, mais je l'ai pas sous la main pour vous en parler, donc je passe mon tour pour cette fois, mais sachez que je vous le recommande aussi. Le prochain livre aborde lui aussi l'homosexualité au second plan, bien que ce soit les personnages principaux qui soient concernés. Ce n'est pas pour autant le centre de l'histoire, le point névralgique qui fait de ce récit quelque chose de super intéressant. Ce livre, il s'agit de Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, c'est publié chez Pocket Jeunesse, et dans ce livre, on va suivre une aventure complètement rocambolesque et l'un des héros qui est un petit peu, comment on dit, qui sait pas trop se tenir. Il fait un petit peu la brinque tout le temps. Eh bien, il est homosexuel ou bisexuel, je ne me souviens plus. Mais en fait, comme le dit le résumé, Monty rend tout le monde fou, les hommes, les femmes, mais surtout son père, parce que bien évidemment, il ne fait rien. Il part donc en voyage qui va rapidement se transformer en chasse à l'homme. C'est vraiment palpitant et en même temps très drôle, même si je n'ai pas franchement accroché à l'histoire. Et enfin, je vous propose de vous tourner vers une autrice clé qui représente énormément de facettes de la communauté LGBT dans ses livres. Il s'agit des livres d'Alice Oseman, et on va commencer avec L'année solitaire. Alors, dans ce livre, c'est pareil, ce sont les personnages secondaires qui sont bisexuels et homosexuels. Une nouvelle fois, c'est abordé avec intelligence. Si vous connaissez la plume d'Alice Oseman, vous comprendrez bien évidemment ce que je veux dire. Elle est très bien renseignée, elle sait très bien dire les choses, expliquer, et ce n'est jamais flou. Concernant L'année solitaire, je me souviens plus très bien de l'histoire, je l'ai lu à sa sortie en VF, donc ça fait quand même pas mal de temps, et je trouve que ce serait un petit peu malhonnête de vous faire le résumé d'après le résumé en quatrième de couverture, mais je sais qu'on suit des personnages qui gravitent autour de l'univers d'Alice Oseman, donc si vous aimez l'un des livres d'Alice Oseman, évidemment il faut lire les autres parce que l'on retrouve d'autres personnages. Le prochain roman que je vous conseille d'Alice Oseman, c'est aussi un roman qui est traduit. Il s'agit cette fois-ci de Silence Radio, donc c'est publié aux éditions Nathan. L'année solitaire était aussi publiée aux éditions Nathan. Et dans ce livre, nous allons suivre une héroïne bisexuelle, mais il n'y a pas qu'elle. Beaucoup de personnages secondaires font partie de la communauté LGBT. Il y a notamment, d'après ce que j'ai écrit, parce que je me souviens plus très bien de l'histoire, il faudrait vraiment que je les relise, mais j'ai beaucoup de mal à me replonger dans un livre que je connais parce que je pense qu'en lisant les premières pages, eh bien, je vais me souvenir de l'histoire. Et apparemment, il y a un personnage gay et un personnage qui serait apparemment demisexuel. Alors ce sont des infos que je tire du site dont je vous ai parlé tout à l'heure, Rainbow Tech. Avec les petits billets concernant les livres, il y a toujours une mention de toutes les représentations présentes dans le livre, donc c'est très intéressant. Et dans ce livre, dans la version originale, normalement, il y a un personnage à genre. Alors je ne sais pas comment on le dit, mais en fait en anglais, il est utilisé le pronom they, donc un pronom qui n'est pas genré. Alors que dans la VF, eh bien, cela s'est perdu et ça a été transformé en asexué, donc c'est pas le bon terme. Il me semble que c'est ça, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. Mais du coup, la traduction française n'a pas fait totalement le job, mais il y a quand même pas mal de sujets liés à la diversité qui sont représentés. Et pour poursuivre sur Alice Oseman, dernier livre de cette autrice que j'ai lu, bien que d'autres tels que Loveless qui parle d'aromantisme et d'asexualité me tentent énormément. On va parler du célèbre, du plus connu Heartstopper. Donc ici c'est le tome 1 qui est publié chez Hachette et j'ai lu les 3 tomes suivants en VO que j'ai adoré. Et dans ces livres-ci, eh bien il y a pléthore de représentations. Donc évidemment on a affaire à une romance gay, enfin un personnage est gay et l'autre est bisexuel, mais autour d'eux gravitent des profs qui sont bi, homosexuels, un couple lesbien avec une jeune femme trans. Bref, il y a énormément de sujets à aborder, que ce soit le coming out, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit la santé mentale. Enfin, Heartstopper, c'est une petite perle, et j'ai oublié de préciser, c'est un roman graphique. On a affaire à des illustrations. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal au début avec le style d'Alice Oseman, maintenant je suis absolument fan. Je trouve que ça correspond parfaitement à l'histoire. Et on suit vraiment le quotidien des deux personnages, donc il y a des discussions complètement banales et d'autres fortes de signification, donc c'est très intelligent. Et les autres tomes sont absolument magnifiques, comme celui-ci. Bah attendez, ils sont juste là. Enfin,
J'ai le tome 3, le tome 3 et le tome 2. Le tome 4 traîne. Bon, il traîne trop loin pour que je le ramasse. Mais voilà. Une très belle saga que je vous recommande, notamment si vous faites partie de la communauté LGBT ou vous voulez en savoir plus parce qu'il y a beaucoup de représentations et surtout, comme dans les autres livres d'Alice Oseman, beaucoup d'explications pour comprendre lorsque l'on n'est pas concerné. Un autre livre dans lequel il y a énormément de représentations, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder et c'est une publication des éditions Screenéo. Et l'intérêt de ce livre, c'est une nouvelle fois, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas le sujet principal du livre. Ce sont des personnages qui font partie de l'histoire, qui se révèlent faire partie de la communauté LGBT. Bien évidemment, cela a une importance sur l'histoire, mais ce n'est pas le principal sujet, puisque le principal sujet c'est de montrer que les hors-normes, les grandes tailles, donc les personnes en surpoids, ont aussi leur place, et c'est abordé à travers les réseaux sociaux, donc il y a une question de harcèlement, il y a une question d'image de soi-même et de l'image que l'on veut donner de soi. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré, qui a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, si vous voulez retrouver mon avis, il est sur mon blog et il est aussi sur mon Instagram. J'en dis beaucoup de bien, j'ai vraiment adoré, mais je vais pas vous en dire plus. Si vous aimez ce genre de livre, foncez. Vraiment, les représentations sont très bien abordées, il y a l'aromantisme, il y a, il me semble, un couple lesbien et un couple gay. J'ai pas envie de dire bêtises, mais bref, c'est bien intégré dans le récit sans pour autant prendre toute la place. On commence à avoir la pile là, ça commence à monter. Attendez, si je mets tous les livres les uns au-dessus des autres. J'arrête, c'est trop bizarre. Bref, on continue. Autre livre qui aborde énormément de thèmes avec intelligence, il s'agit de Autobiographie, c'est de Christina Loren et c'est publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Way. Et ce livre, il aborde autant la bisexualité que l'homosexualité, mais avec un point de vue très différent de tout ce dont j'ai pu parler avant. Dans ce livre, il y est aussi question de conservatisme, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais je pense que vous saisissez l'idée. Il y est aussi question de religion, et avec cela vient la place de l'homosexualité et de qui on est au sein de sa communauté religieuse. Bien évidemment, il y a aussi question de coming out et de sexualité et une petite romance à la clé pour couronner le tout. Si je me souviens bien, parce que cela fait très très longtemps que je l'ai lu aussi. Bah, j'ai lu à sa sortie en VF. Je ne sais pas quand il date. Attendez. Oh là. 2018. J'ai lu en 2018, ça fait quand même pas mal d'années. Je me souviens plus très bien. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Bref, on va suivre Tanner Scott et sa famille qui vont quitter la Californie pour s'installer dans le plus traditionnel état de l'Utah. Et eh bien, il va devoir rentrer dans le placard à nouveau puisqu'il n'est pas comme tout le monde. Tanner Scott ne peut plus divulguer sa différence dans cet état. Sa meilleure amie, Autumn, va lui lancer un challenge d'écrire un roman dans le cadre d'un concours qui est organisé par le prestigieux séminaire de Provo High. Et ça s'adresse aux étudiants et ils ont 4 mois pour rédiger ce livre. Tanner Scott va repérer Sebastian Brother qui est le prodige, le petit prodige, qui est mort et qui a remporté le séminaire haut la main l'an passé, et en quelques semaines, eh bien, il va tomber éperdument amoureux de celui-ci. Alors vous vous doutez bien que la communauté mormon n'est pas franchement liée à la communauté LGBT, et c'est là tout l'intérêt de l'histoire. On approche de la fin de la vidéo, j'ai encore 2 livres à vous présenter, mais 2 livres de la même autrice, dont un que je n'ai pas encore lu. Cette autrice, il s'agit de Meredith Rousseau, avec son livre Celle dont j'ai toujours rêvé, c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse, et cela avait été un énorme coup de cœur, puisque dans ce livre, il est abordé la question de la transidentité. Ce livre, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai très peur d'en dire une, c'est un own voice, c'est-à-dire que l'autrice est elle-même une femme trans, donc elle sait de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle raconte, et c'est le sujet de son livre. Dans celui-ci, nous allons suivre Amanda Hardy, qui va arriver dans un nouveau lycée, et elle souhaite avant tout s'y intégrer. Mais elle a un secret, et malgré le fait qu'elle soit populaire, elle n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Un jour, elle va rencontrer Grant, et celui-ci va lui faire baisser sa garde, et c'est ce qui va faire tilt à Amanda, elle va comprendre que pour être heureuse, il va falloir qu'elle parle au risque de tout perdre, parce que le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est très peu abordé en littérature young adult, mais pourtant qui est extrêmement important. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Meredith Rousseau le fait avec brio, que ce livre avait été une très belle lecture et pour moi une claque, parce que je l'ai lu à un moment où je ne connaissais rien du tout de la transidentité, un moment où ce n'était pas un sujet autant abordé sur les réseaux sociaux, ou en tout cas je n'en faisais pas partie, je n'étais jamais tombée sur cette bulle où les gens parlent avec bienveillance de ces choses-là. Bref, une très belle lecture. Et pour enchaîner, j'ai un autre livre de Meredith Rousseau, c'est sa nouvelle parution, il s'agit de Birthday, c'est aussi aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour le coup, on va suivre 2 personnages, donc il y a Eric et Morgan qui sont nés le même jour dans le même hôpital et qui sont meilleurs amis depuis toujours. Seulement en grandissant, ils vont peu à peu se séparer. Morgan est mal dans sa peau, il ne se sent pas garçon, et son ami Eric, il ne parvient pas à s'affirmer et il a très peur de déplaire à son père tyrannique. Et tous deux, dans leur changement, vont se soutenir puis se séparer. Et la question, c'est parviendront-ils à se retrouver? Donc je pense qu'ici, une nouvelle fois, la transidentité est abordée. C'est pour cela que j'ai pris ce livre, c'est pour cela que je l'ai acheté, c'est pour cela aussi qu'il a été proposé dans les lectures communes du club Bookalore. Pour l'instant, c'est le livre en tête de liste qui a été choisi par les votes. Je ne sais pas au moment où vous regarderez cette vidéo quel livre sera désigné, parce que normalement le livre
livre sera quasiment choisi pour la prochaine lecture commune, mais j'espère que ce sera celui-ci, mais dans tous les cas, je le lirai. Voilà pour toutes ces recommandations de lecture que j'ai lues, bien évidemment. Alors, il y a plein d'autres livres que j'ai lus, mais que je ne possède pas, que je n'ai pas avec moi. Soit je les ai lus à des médiathèques, soit je les ai lus en numérique. Donc, je pense notamment à Aristote et Dante, que j'ai cité tout à l'heure, et Mes ruptures avec Laura Dean, qui est un roman graphique absolument époustouflant, qui aborde avec justesse énormément de représentations différentes, mais quand je dis énormément, c'est vraiment le cas. Je vous ai présenté toutes ces lectures pour essayer de vous convaincre d'en lire certaines pour le mois des fiertés. Ça serait vraiment un beau geste et ça vous permettrait de vous renseigner si, comme moi, vous n'y connaissez pas grand chose. Comme j'ai dit au début, je ne suis pas concernée par bon nombre de ces thèmes, du coup j'en ai parlé avec mes mots, avec mon ressenti, avec ce que je connais, et j'en connais pas grand chose. Mais cette vidéo, c'est pour moi l'occasion aussi de récupérer vos recommandations. N'hésitez pas en commentaire à citer tous les romans young adult, jeunesse et même adulte que vous avez lus qui représentent la diversité, qui représentent une facette de la communauté LGBTQ+. Bien évidemment, il y en a pléthore d'autres. J'avais fait une petite story sur Instagram et vous avez été nombreux à m'en citer d'autres. Beaucoup font partie de ma wishlist, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai vraiment récolté toutes les réponses. Je pense faire peut-être prochainement, peut-être au cours du mois de juin, une vidéo concernant ma wishlist où les représentations LGBT sont présentes, mais pour le moment ce n'est pas d'actualité. Je vais voir ce que je vais faire, peut-être un post de blog, mais en tout cas je vais tout faire pour vous parler de diversité pendant le mois de juin sur la chaîne, sur le blog, sur mon Instagram. Bref, tenez-vous prêts et j'espère que vous lirez vous aussi des livres qui représentent la diversité. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !